Salut tout le monde, c'est Kia Gaming, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau let's play. Et on va tester là tout de suite Steep. Alors Steep c'est un jeu, comme vous avez pu le voir, ceux qui ont testé la bêta, c'est un jeu où on pourra faire du ski, du snowboard, du parapente et du wingsuit. Alors du wingsuit c'est... on vole comme un oiseau. Là franchement ça a l'air d'être vraiment pas mal, moi j'ai adoré la bêta. J'espère quand même qu'ils ont modifié quelques petits trucs. Mais franchement j'ai adoré ce jeu. J'espère que vous aussi vous allez l'adorer. Et n'hésitez pas, si vous pétez un câble pour l'acheter, dans la description il y a un lien pour le prendre sur gameplanet.com. N'hésitez pas à l'acheter par là, comme ça c'est ça permettra de... Enfin ça permet de... Vous me soutenez quoi. Voilà. Après rien ne vous l'oblige, mais ce serait sympa, ce serait pas tâche. Alors dans ce jeu... Tu m'entends bien? Et toi tu me coupes la parole? À moi je te parle. J'ai vu de quoi t'étais capable, ça m'a impressionné. Mais mon boulot, c'est de te pousser dans tes derniers tranchements. Alors on va commencer par le petit échauffement wingsuit dont on avait parlé. Le point de départ n'est pas très loin. D'accord. Il faut que t'ailles le rejoindre. Ouais. Oui, c'est ça, oui. Alors je ne me réveillais pas longtemps parce que les serveurs ont ouvert à 9h. J'ai fait ma petite vidéo, Je suis en train de faire ma petite vidéo let's play. Par contre, par la suite, je voulais clarifier ça tout de suite pour ceux qui suivent ma chaîne. J'aimerais bien faire ce jeu en live. Ça sera un let's play live. Je vais changer. Là, ça sera juste let's play au début. Après, ça sera un let's play live. Pourquoi live? Peut-être parce que ça sera plus intéressant s'il y a d'autres personnes qui ont le jeu, qu'on puisse jouer ensemble, déjà, premièrement. Et même, je trouve que c'est un jeu qui est plus marrant à partager en live que tout seul dans son coin. Voilà, tout simplement. Après, je verrai. Hein, peut-être que je pèterai un câble, mais bon. Alors, j'ai oublié de dire que le jeu était disponible sur PC, PS4 et Xbox One. Et il est sorti le 2 décembre 2016. C'est un jeu d'Ubisoft. Et puis voilà quoi, ils se sont... En fait, c'est un monde ouvert. Et ils se sont inspirés de... Enfin, des Alpes. Et de l'Alaska. Voilà, je sais que le... Je sais pas si on peut voir la carte directement maintenant. Non, on peut voir les options aussi, c'est plutôt pas mal. Là, comment ça va doucement, les options? Alors, graphique. Texture, oui. Les ombres, oui. Oui, c'est déjà réglé. C'est déjà réglé comme sur la bêta. Ça a pas touché, ça. Alors, je voulais voir quelque chose parce que je sais pas si vous avez vu l'ATH. L'ATH. L'ATH qui fout la merde. Comment expliquer? Il y a le niveau des joueurs qui se mettent sur les bonhommes et on voit rien. Et j'ai l'impression qu'on peut pas enlever. On peut pas enlever, on peut pas faire ce qu'on veut. C'est pas possible. Non, j'ai pas l'impression. Hier, j'ai demandé, il y avait un live d'Ubisoft. Alors franchement, je voulais parler du live d'Ubisoft qu'il y a eu. Il y a eu un stream hier soir pour la sortie. Franchement, les gens qui ont joué là, qui ont fait le truc, vous étiez nuls. Dans le sens où on vous pose des questions, vous répondez à côté ou vous répondez... Par exemple, je me demande, ouais, est-ce qu'il est possible de modifier des trucs de la TH, c'est-à-dire enlever des logos qu'il y a sur le jeu. Écoutez, il me répond, écoutez, moi, franchement, on a eu le jeu, voilà, quoi. On dirait qu'il vient de le découvrir, le jeu, t'sais. Ils ont jamais joué au jeu. Je sais pas. Bah, elle va appuyer sur Start, elle va avoir les options, espèce d'enfoiré. Mais en fait, on peut rien faire. C'est pour ça qu'il est pas allé voir ce qu'il y a. Il devait savoir. Ça, c'est zoom, suivi oculaire. Débloquer les drop zones du regard. C'est quoi ça? Appuyer. Zoom sur le regard. Vue étendue. Active caméra intelligence étendue suivi oculaire. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, on va pas toucher. Bon, on va peut-être jouer parce que je pense que vous voulez que je joue. Hein, vous en foutez de ma vie. Allez, avance Bobby. Ah, le wingsuit. Tu peux enfiler ton costume d'écureuil n'importe où et n'importe quand. Ta mouille. Il faut simplement que tu repères le spot idéal pour un saut réussi. Ah, pour l'instant, on n'est pas en multijoueur. Il faut jouer un petit peu quand même pour débloquer le multi. Là, je pense que je ferai juste une vidéo comme ça et après le reste, ça sera en live. En let's play live, c'est ce que je veux faire parce que j'ai adoré faire ce jeu en live. On voit que tu t'es fait plaisir. Maintenant, ouvre ton parachute et vise la zone qu'on a repérée tout à l'heure. Oh merde! À partir de là, c'est snowboard à fond la caisse. Je veux voir à quelle vitesse tu passes de l'un à l'autre parce que tu vas le faire souvent.
Ah bah bravo. Et dites-moi aussi ce que vous en pensez que je fais le jeu en live plutôt que qu'en let's play normal. Là j'ai ma voix, les rocks, ouais et tout. L'homme qui vient de se réveiller. Montre-moi ce que tu sais faire. Je pensais qu'ils allaient ouvrir à minuit, bordel. Je croyais que c'était le premier, enfin, arrive au soir du premier, minuit, tac, le 2, hop, putain. Ah, pour ceux qui se demandent si c'est difficile la prise en main, non, pas du tout, hein. Les deux pads, en fait, moi j'ai joué avec la manette. Les deux pads. Le pad droit, quand tu l'emmènes en arrière, voilà ce qu'il fait avec la planche. Après, tu peux... Pour, ça sert pour freiner. Et les deux pads en même temps. Ah mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Oh bordel, je suis bloqué. Allez, je tourne. Allons explorer la montagne. Voilà. Les deux pads en arrière, c'est pour s'arrêter. Après, les deux gâchettes derrière, ça sert pour sauter. Il suffit d'appuyer fort sur une gâchette, d'appuyer voilà au max, et de lâcher d'un coup, tu sautes. Autrement, si tu relâches tout doucement quand t'appuies, bah tu sautes pas. Allez, normalement je saute pas. Si je vais vraiment doucement. Voilà. Si j'ai quand même sauté. Ah, faut vraiment lâcher doucement. On fait un petit saut ou pas? On fait un petit saut ou pas, les gars? Hop là! Hop là! Et sur le côté, en fait, on a une barre de... Comme une barre de vie, en vrai, c'est une barre... C'est une jauge de G qu'on se prend dans la mouille quand on se réceptionne mal ou qu'on tombe. Et dès qu'on descend vraiment toute la jauge, et ben on s'éclate. Bon, là, je viens de me réveiller. Je suis un peu cassé. Je suis désolé. C'est pas ma meilleure vidéo. Hein. En plus... Allez, on retourne au camp de base. En plus, on peut pas recommencer comme on veut. Se trouve près d'un pic appelé la tête du Danais. Ça devrait pas être trop dur à trouver. Les camps de base sont indispensables. Tu t'en sers pour explorer les environs et pour découvrir de nouvelles descentes. D'accord. Bienvenue au camp de base. J'ai choisi cet endroit parce que c'est un point central dans les Aravis. Observe les environs et tu verras ce que je veux dire. D'ici, tu peux aller où tu veux, mais il faut qu'on étende notre semaine à d'autres lieux pour ouvrir de nouvelles descentes. J'ai fait un repérage dans quelques zones qui semblent intéressantes. Oh bordel. Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi, bon, je fais un peu de la promo, mais voilà, en même temps, c'est mon partenaire. Game Planet. Là, j'ai vu, le vendait pas si cher que ça, hein. C'est même prix que sur les autres sites de clés. Réellement, j'ai là la version Gold. La version Gold, elle vaut vraiment le coup. C'est un truc de fou. Alors, j'ai mis les deux liens dans la description, ça, j'ai oublié de préciser. J'ai mis le lien du jeu normal et la version la plus chère. Je vous recommande de prendre la plus chère, sérieusement. C'est pas pour faire style. Vous serez gagnant parce qu'il y a le saison pass dedans. C'est génial, non? Allons voir l'autre endroit que j'ai repéré. Alors. Moi, j'adore ce jeu. Franchement, c'est un truc de dingue. Je suis vraiment content qu'il est sorti enfin. Je pense que vous allez en bouffer, hein. Là, ça... Les streams, il va en avoir pas mal. Putain, mais je retombe mal, hein, j'arrive pas. Ouah! Ouah, ce que je viens de faire. Attendez. Il y a toujours une solution. Ça va marcher. Ah bah oui. Moi, ce que je suis pressé de voir, c'est le Mont Blanc. J'espère qu'un jour, ils vont rajouter des zones après. Et je veux qu'on... Il y a plein de descentes et d'endroits comme celui-là dans la zone. Je veux qu'on regarde la carte après. Quand tu les auras trouvés, utilise le terrain pour varier les plaisirs et montrer à tout le monde que t'es capable de passer d'un sport à l'autre. Tu sais, comme tu m'as déjà montré. Certains des riders m'ont dit qu'il y a quelques descentes magnifiques non répertoriées par ici. Reste plus qu'à les trouver. Allez, et c'est parti. Et souviens-toi que c'est pas parce que c'est pas sur la carte. Ouh. Que ça n'existe pas. Ah, j'adore.
Vas-y, hop là. Je sais qu'après, avec la version gold et tout, enfin, ils vont rajouter aussi des sports. Même si vous n'avez pas la gold, je suis con, moi. Ils vont rajouter des sports, ils vont rajouter le... de la luge, du... Putain, je sais même plus comment ça s'appelle. Ils vont rajouter des sports, voilà, tout simplement. J'aimerais bien qu'ils rajoutent des motoneiges, ça serait trop cool, ça. Équipé. Équipa. S'équipe. Je crois que c'était l'autre. Sûr que c'est dans les parages. Ah, c'est l'autre côté, c'est par là, je crois. Juste que j'ouvre l'œil. Voilà. Je crois que c'est une drop zone idéale. Rends-toi sur place pour qu'on puisse se faire une meilleure idée. Ah, c'est ça, en fait. Tout doucement, t'évolues dans l'école. Et à la fin, regardez-moi ça. Ça, d'accord, on va regarder la taille de la carte. La taille de la carte, quand même. On s'en rend pas bien compte. Mais c'est quand même déjà très très grand. Je vous l'accorde, hein. Je vous l'accorde fortement. Non, c'est grand. Non, c'est grand, c'est grand. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Regardez comment on peut zoomer. Je peux me téléporter parce que j'ai la version gold, alors. J'en ai 10 avec l'hélicoptère. Et bah, vous savez quoi? Je vais le faire juste pour vous. Pour vous, je vais utiliser un ticket d'hélicoptère. Parce que j'en ai 10. Juste pour qu'on regarde d'en haut. L'en haut du Mont Blanc. Allez. Êtes-vous sûr de vouloir utiliser un ticket? Oui. Regardez-moi ça. On est en haut du Mont Blanc. Direct. Direct, on est au pic. Je suis comme un fou dans la bêta. Je voulais trop y aller, on pouvait pas. Je vous dis, franchement, j'ai une petite sensation de plaisir là. Je suis vraiment content. Non, je trouve ça trop cool. Ah ouais. Ah ouais. Comment c'est exagéré. Ah, j'ai envie de voir l'autre côté. Oh bordel. Ah, j'adore. Attendez, on va prendre quand même. Hop. J'ai pas tombé en vrai. Ah, c'est terrible. Bon, cette vidéo aura des droits d'auteur. Ah, je pense qu'on pourra pas la regarder sur tablette et iPhone, tout ce que vous voulez. Ça me saoule, ça. Droits d'auteur, je m'en fous, mais qu'on bloque les vidéos comme ça, c'est chiant. Oh là là, regardez-moi ça. Attends, on va s'arrêter. Oh là 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 là. Ah, c'est incroyable. On voit vraiment qu'on est super haut. On n'est pas censé faire ça à la base, hein. Je pouvais pas résister là. Ah, c'est un plaisir. Oh là là, mais c'est exagéré en fait. Je descends pas pour ça parce qu'en vrai je voudrais regarder un petit peu le... de voir la carte. Je pense que je vais avoir la carte là faire. Oh là là. Vous savez quoi, on va descendre par là. On se fait une petite descente tranquillou. Allez. Oh là là. Mais c'est un truc de fou. Ah, je suis comme un dingue, moi. Non, mais c'est bon, t'es juste en haut d'une montagne. Mais non, c'est pas n'importe laquelle. Oh là là, là-bas, c'est la merde. On va passer sur le côté droit. Ah, la vue première personne, bien sûr. Eh, ils ont modifié la caméra. Y'a plus de problème avec la planche. La planche, elle disparaissait tout le temps. C'était, comment dire, un peu dégueulasse. On la voit disparaître là, de snowboard. Ça y est, ils l'ont corrigé. La caméra, ils l'ont mis plus près du sol, on dirait. Ah, tant mieux, ça fait plaisir. Peut-être qu'ils ont rien touché, moi je suis parano, mais j'ai l'impression. Non, c'était pas comme ça. Regardez-moi ça. Allez, on va descendre un peu plus. Vous voyez en bas là? C'est là où j'aimerais pas finir, mais je crois que je vais finir par là.
Et là, je vais mourir là. Allez! Après, on se fait une descente de ouf! C'est bon. Là, ça y est. Là, ça commence comme j'aime. Là, c'est beau là. Là, c'est beau. Hop là, on fait des sauts même quand il n'y a pas de truc. Un petit saut. Et, ah non, merde. J'ai pas réussi. Je suis nul. Déjà, va rien faire. Hein. Et c'est quoi là-bas? C'est un truc de fou. Ah, je vous jure. Allons, bombarde. Ouais, je vais trop vite. Non. Aïe. Ah, j'ai pris trop de vitesse. C'est bon. On est reparti. Comme si de rien n'était. C'est le mec, il a 3 tonnes de neige sur lui. Saut de ouf. Yeah. Ah, j'ai survécu. Ah. C'est un truc de malade. Ah mais là ça s'arrête plus. J'aime bien parce que des fois il y a des... T'as des missions dans toutes les catégories et t'as aussi des missions... des parcours où il faut se mettre des jets dans la mouille et en vrai se faire se casser les os on va dire. Et je trouve ça vraiment cool. Aïe. C'est dommage quand tu fais sur un rocher comme ça, que tu te prennes des jets autant. C'est quoi ça là-bas en bas? Il y a un truc bleu. Il y avait un truc bleu là. Un truc bleu les gars, il a disparu. Et il a réapparu. On va aller voir. C'est même pas normal, ça coûte, c'est un méchant bug. Hein, j'ai rien arrivé, d'accord. Oui, je fais de la merde, oui, bien sûr. Ah, c'est classe. Bon, allez, on va retourner. On va retourner faire une demi-mission. En fait, depuis tout à l'heure, pour vous montrer, depuis tout à l'heure, je suis parti d'ici. On peut voir tout mon parcours. J'ai fait ça. Voilà ce que j'ai fait, d'accord? Depuis tout à l'heure. Allez, si on dézoome. On dézoome la carte. On se rend compte que c'est pas grand-chose, en fait. C'est vraiment pas grand-chose. Alors, ouais, on va trouver... Je viens d'utiliser quand même un ticket, hein. Un petit ticket. J'espère que ça vous fera plaisir quand même. Enfin, attention. Ouais, c'est là. Y a tout un... Allez, là, c'est une course, là. Ici, où les autres riders ont fait des exploits. Si tu veux laisser son empreinte, tu vas devoir les descendre aussi et envoyer du lourd. Il faut sortir toute la panoplie et... Moi, j'aime bien le snow, j'aime pas le ski, par contre. Alors, ouvre grand les yeux. C'est parti. Ouais, j'aime pas du tout le ski. T'en trouves souvent en arrière? J'aime pas. Le snow, c'est la classe. Et allez, je vais finir premier. Je cherche pas à comprendre, je serai premier. En même temps, on va dire, ouais, mais c'est facile. Ouais, c'est facile, oui, c'est vrai. Mais j'ai décidé d'arriver premier. Je m'en fous.
Allez, bombarde. Elle est aussi longue que ça, j'avais zappé. Je me penche vraiment les deux pas en avant. Ligne d'arrivée. Excellent travail. Cette ligne t'a permis de mettre en avant tes talents en freeride et de me prouver que tu sais manœuvrer avec fluidité sur les descentes du coin. T'as fait très très fort. Alors pour ceux que ça intéresse, on va regarder un petit peu la personnalisation du bonhomme. C'est juste que je viens de faire n'importe quoi. Comment on fait ? Revenir à position. Bizarre, t'appuies sur B, ça marche pas. Bon, je sais pas. Hop. On peut pas là pour l'instant. Merde. Ah. Non, je peux pas pour l'instant. Ah, j'ai vu pour ceux que ça intéresse, pour les... ce que je vois. Jouer de la musique sous copyright. Alors j'ai mis non, on verra si j'ai un problème avec la vidéo. Bon allez, on va faire ça, c'est pas grave, je regarderai là après. C'est des personnes qui veulent jouer avec moi, faire des sessions quoi, vous êtes chaud. N'hésitez pas. On pourra se parler dans le jeu. N'hésitez pas à me demander un ami sur Uplay. Si j'ai pas de bêtises, on radera après. Normalement, si j'oublie pas, je crois que c'est Kyria Gaming. Normalement, c'est Kyria Gaming, ouais. Mais on va. Je vais rader. Là, j'aurais pas l'heure. Si j'ai eu l'or, j'ai eu l'or. Johnny, il paraît que les gens parlent déjà de tes exploits. Bien, il existe d'autres spots similaires à ceux que t'as déjà découverts dans la zone. J'ai une nouvelle tenue. Et pour les trouver, il va falloir chercher le meilleur endroit possible pour pouvoir les atteindre. Est-ce que tu le vois? Utilise tes jumelles pour le chercher. Elles sont parfaites pour repérer de nouveaux endroits. Alors bon. Garde-les à portée de main. Il y a un snowpark, ah là, c'est bon. L'endroit parfait pour montrer les tricks que t'as en réserve. Il y a aussi un parcours de parapente incroyable où tu vas pouvoir t'éclater. C'est incroyable. Ça fait déjà un bon moment que des riders m'en ont parlé. Alors je l'ai ajouté à ton entraînement. Vas-y et fais-toi une bonne session. D'accord. Bon, on va aller voir ça. Hop. Le jump. Hey, ils expliquent bien là. Il y avait pas ça, je m'en rappelle pas. Rotation. Oui, parce qu'en vrai, si vous bougez le pad gauche avant d'avoir sauté, ça marche pas. Enfin, moi, ça marchait pas sur la bêta. Mais il va falloir le pas de droit. Donc, toujours. Attends, on va faire un grab. Juste prendre la... Faut tenir sa planche. Ouais. La planche avec ouais, LT ou RT, je crois. Une fois que t'es en l'air, même bouton quand tu sautes. Ok, ma gueule. Alors, ils veulent des quoi, là? Des trails. Ok, je vais leur montrer ce que c'est. Parce que là, on commence direct, hein. On n'est pas là pour rigoler. Je vais même pas réussir à faire la méchance, quoi. C'est bon, j'ai l'or. Ah, j'ai même pas l'or encore. Là, j'ai l'or. Non, j'ai pas l'or.
Ah mais j'ai déjà l'or. J'ai déjà l'or. Mais c'est bon, j'ai déjà l'or les gars. Avant c'était pas comme ça, une fois que t'avais passé l'or, c'est... Là j'ai pas l'or. Comment ça j'ai tout déchiré, moi c'est l'or monsieur. C'est l'or ou rien du tout. Attends. Voilà, ça c'est beau ça. Ça c'est du saut. Ça c'est montrer ses capacités. Allez. Voilà, on prend pas trop de risques. On prend pas trop de risques. Nickel. Putain, on a pas l'or. J'ai pas l'or. C'est bon là, j'ai l'or, non? Ah, j'ai l'or. Ah, quand même, là, franchement, j'ai eu peur. Nouveau skin débloqué. Alors, comment? J'arrive pas à voir mes skins, bordel de merde. Comment on fait pour voir ces skins? C'est un autre menu maintenant? Un autre menu? Je tousse. C'est quoi pour. D'accord, ça je peux enlever, on peut rajouter. Ça c'est quoi, tu peux enlever. Ok. Je comprends pas où c'est. Je comprends pas. Hein. Peut-être on peut pas, je sais pas. C'est bizarre. Mais on va faire un dernier. Un dernier, on finit par ce que j'aime pas du tout, le parapente. Je trouve cette discipline très bien dans la vraie vie. Enfin, j'ai déjà vu un peu, j'en ai jamais fait, mais je trouve ça bien fait. Mais autant dans le jeu, alors c'est bien qu'il l'ait mis. Parce que voilà, ça fait partie des sports extrêmes et tout, c'est, oui, il existe. Mais c'est pas top. À jouer, c'est pas top. Ça, c'est pas bien. Ah, quand c'est pas bien, il faut le dire aussi. Hein. Vu que je suis pas le... ce qu'il faut, là. Ouf, tu prends les courants ascendants. Non, mais voilà, il... Je suis pas ce qu'il faut, je sais pas, ça monte pas. J'aurais pas là. Je vais là. Ah, j'ai eu de l'argent. T'as dû une seconde. Commence à bien monter. Quelques athlètes parlaient de toi en disant que t'étais balèze pour tout ce qui est de mélanger les disciplines en l'air ou sur terre. Les nouvelles tenues, les nouveaux nannies. Excellent. Je vais être honnête. Cet échauffement était un peu plus important que ce que j'avais laissé entendre. Il était surtout conçu pour que les organisateurs d'un événement régional puissent voir exactement ce que j'ai vu chez toi quand tu m'as demandé de t'aider. Tu les as impressionnés. Ah ouais? Et je t'invite à participer. Tu vois, ta réputation t'aide à ouvrir les portes. Plus elle grandit, plus t'as accès à des événements de ce genre. On va là-bas. Faut pas laisser passer l'occasion de te mettre en avant. C'est quoi, ça retour au personnage? Ok. Alors je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas à mettre mes vêtements, comme si je ne pouvais pas. C'est bizarre quand même. C'est moi qui est nul, je ne comprends pas. Allez, un dernier. C'est un événement. La vidéo elle fait 30 minutes quand même. Traverser un village. Mais si tu veux être en tête, il va falloir que tu prennes quelques risques. Éviter des obstacles, faire des sauts depuis des falaises, rider les lignes de crête, et puis sortir autant de trucs que tu peux, d'accord? C'est parti. Allez, c'est bon, on y va. Non, c'était pas là. Merde. Voilà. T'es ici. Marquez un maximum. Ah, d'accord. D'accord, je vais pas aller là, je vais partir sur le côté gauche. On va faire du freestyle ou pas? Oh
merde! Et c'est parti. Oula, j'ai pris des jets dans la mouille. Ils sont pas très beaux. Hein. Là, ça va, celui-là. Ah merde, là, ça. Ok, on est pas mal. Je crois que j'ai l'heure, là, non? Depuis longtemps. Aïe, aïe, aïe. J'arrive pas à descendre. Oh merde. Allez, pousse. Voilà, c'est bon. C'est moi qui faisais mal les choses. Yeah. Rien ne peut m'arrêter aujourd'hui. Yeah. Continue de rider comme ça et je te promets que les gens vont faire la queue pour avoir ton autographe. Je monte une équipe pour filmer tes exploits là-haut. Ces types s'y connaissent pour shooter les sports extrêmes. Ils nous sortent toujours des plans qui font rêver les riders. On va regarder leurs vidéos. Obtiens un ride vivant à maintenir B. D'accord, il veut jouer une vidéo à eux. Tu vois, truc mémorable. Ok, alors tracé, appuie sur X. Regardez le replay. C'est génial, non? Tu peux regarder la vidéo quand tu veux. Jouer avec les différents angles de caméra et les replays pour améliorer le montage si tu le souhaites. Ah, c'est bien fait, hein. Wouah! Là, je suis mal tombé. Il y en a un, j'ai bien fait, là. Je crois que c'est celui-là. Ah non, viens, première personne. Putain, ça donne envie. J'ai un dernier spot à te montrer, je l'ai marqué sur ta carte. Vas-y, rends-toi sur place. Putain, je m'arrête jamais en fait. C'est pas seulement un challenge donné par les autres riders qui t'attend. Les montagnes sont pleines de descentes non répertoriées, prêtes pour le ride. Alors, c'est toi des drop zones pour les trouver. J'en ai repéré une tout à l'heure qui m'a l'air parfaite. Allons voir ça. Entre les arbres. Par contre, ce que je comprends pas, c'est que j'arrive pas à voir mon équipement. Est-ce qu'ils ont changé le bouton? Ils ont pas changé le bouton? Parce que c'est pas possible, ça. Avant, je croyais que c'était vraiment... Je sais pas, je crois que c'est quand tu regardais la carte. Pas quand tu regardes la carte. Mon dernier ride, pour l'instant, non. Je sais pas, je regarderai ça hors vidéo. Bon, c'est quoi en fait, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là parce que la vidéo est trop longue, là. Je me lâche trop parce que voilà, je kiffe ce jeu, c'est une tuerie. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine, sûrement en live si je continue le let's play. Dites-moi déjà, je viens de savoir si ça vous intéresse que je le fasse en live ou pas. Et puis, laissez un petit commentaire et pensez à acheter le jeu sur gameplanet.com. Le lien est dans la description pour me soutenir. Et un petit pouce bleu parce que ça fait toujours plaisir. Allez, ciao.